Billy Graham, je ne connaissais pas. Alors, je me rappelle au début, quand j'ai commencé à prêcher, ce pasteur me disait, tu vois, tu prêches comme lui, il me disait à l'époque. Comme Billy Graham. Alors, il me montre un monsieur sur des journaux avec des photos, et il y avait des milliers de personnes dans des stades. Nous, on prêchait dans une petite tente où il y avait quelques dizaines de personnes. Je me dis, bon, je prêche comme lui, là, mais bon. Je suis loin quand même d'être aussi célèbre que lui et puis d'avoir autant d'efficacité, parce que je me dis, comment il fait pour avoir autant de monde? Parce que nous, en France, on galère, je veux dire, c'était dur, hein, pour amener des gens. Il y en avait un, deux, trois qui venaient, bon, mais il n'y avait pas tant que ça, hein. C'est dur, hein, c'était dur en France. Alors maintenant, je n'ai pas commencé, mais alors à l'époque, c'était dur, hein. Mais que j'ai vu cet homme qui prêchait devant des stades, je me dis, mais comment il fait? Comment il fait pour avoir tout ce monde? Après, bon, j'ai compris, mais puis l'Amérique, c'était différent de la France. Et alors, bon, il m'a tellement parlé de cet homme-là que moi, je me suis dit, il faut qu'un jour je vois cet homme. Je rêvais de le rencontrer, quoi. Je rêvais de le voir. Et puis le Seigneur a permis un jour que je puisse le voir. J'ai même serré la main. C'était à Amsterdam. Et bon, c'est un ami de Seattle, aux États-Unis, qui, à l'époque, m'envoyait un peu d'argent tous les mois. C'était pas suffisant pour que j'ai un soutien, pour que ma femme arrête de travailler. Mais enfin, ça m'aidait un peu. Et je crois que je mettais l'argent d'après à l'église dans le plateau. Je devais pas le garder. Je me souviens plus très bien, mais je crois que je donnais pour l'église. En fait, j'avais rien. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais logé, nourri, logé, blanchi par l'institut biblique. Donc, bon, j'avais pas besoin d'argent. Mais je donnais, j'étais juste à la sécu. Le pasteur, il payait pour la sécu. Pour que je puisse être couvert par la sécu, c'est tout. Mais autrement, j'étais entretenu par l'Institut. Bon, après, quand je me suis marié, ça a posé problème. Il voulait que je reste à l'Institut avec ma femme, et que ma femme, je suppose qu'il voulait qu'elle donne des sous. Moi, j'ai pas voulu. J'ai voulu vivre avec ma femme dans un appartement, et là, les problèmes commençaient à arriver, parce que bon, ma femme a dû travailler, parce que moi, j'avais pas d'argent. Et quelquefois, je me souviens, j'avais prêché dans la rue, j'avais ma fille dans un couffin, puis j'allais et je prenais ma guitare et je chantais « Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer, Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Jésus est mon capitaine, je suis matelot du Seigneur, il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. » Voilà, et puis je continuais comme ça, j'avais plusieurs chants et puis je distribuais des traités. Il m'a payé... C'était une grande convention avec, je crois qu'il y avait 15 000, il disait 15 000 évangélistes, je crois qu'il y avait, bon, je ne sais pas si le nombre était exact, mais c'est à peu près ça. Quoi. Et un jour, j'avais un carton dans la poche, un carton, je me souviens bien, il était rose. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit dessus, je pensais que ce n'était pas important. Je l'ai gardé dans ma poche et puis les jours sont passés comme ça pendant la convention et j'avais pris ma caméra pour filmer un peu. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce carton, parce qu'à l'époque, je ne lisais pas du tout l'anglais, mais alors pas du tout, et ne parlais pas non plus. Quoi. Et je disais peut-être quelques mots, mais pratiquement rien. Pas comme maintenant, je dis un peu plus et je comprends mieux. Mais à l'époque, rien. Alors ce carton, je ne savais pas ce qu'il y avait écrit. Donc, je ne faisais pas attention. Et puis un jour, j'ai demandé à la convention, à quelqu'un, j'ai dit que je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait écrit, je demande. Et ils me font comprendre que c'était en fait une invitation pour aller sur l'estrade pendant le temps d'une réunion avec les pasteurs et puis Billy Graham. Ah bon? Eh ben moi qui rêvais de le rencontrer. Mais ça alors, il me dit le monsieur, mais c'est trop tard parce que c'était hier qu'il fallait y aller. Parce qu'ils avaient invité plusieurs personnes à faire ça, donc ils ne pouvaient pas inviter tout le monde à la métal, chacun avait une date. Et ma date à moi, elle était passée. Alors, mais il me dit, attendez, je vais essayer de vous arranger ça. Et alors il a arrangé ça, il m'a dit, vous pouvez y aller. Alors j'y suis allé, oh, j'étais tout fier, tout content. Je me suis assis. Alors Billy Graham n'était pas à côté de moi, mais il y avait peut-être deux ou trois chaises à côté. Il était à côté, quoi. Il était assis sur la strade, pas loin de moi. Ah, j'ai dit, bon, à côté de moi, bon, ben, c'est tout, quoi, il est à côté de moi, voilà. Puis quand la réunion est finie, je me suis précipité, j'ai dit, il faut absolument que je lui serre la main, parce que je ne le reverrai pas, ce gars-là, pour l'approcher. Alors, j'y serre la main, alors il rigole, il me tape sur l'épaule, et puis après, c'est tout, quoi, on ne s'est pas parlé. Puis il est parti, bras dessus, avec sa fille. Je me souviens, sa fille était là, il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, ça c'était mon histoire avec Billy Graham. Après j'ai essayé de le revoir. Quand j'étais aux États-Unis avec ma femme et ma fille, on a voyagé. J'ai été à Montreat, là où il était. Seulement c'était la période où il était malade. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et on est arrivé à Montreat, on est arrivé pas loin de là où il habite, hein, là où il y a sa maison, là où il vit. Et sa maison familiale, hein, une vieille maison.
Et je me souviens plus si j'étais à la maison en premier ou au centre en premier, je ne me rappelle plus, mais enfin, j'étais aux deux en tout cas. Et dans le centre, ils m'ont dit, mais il ne peut pas vous... Parce que je voulais aller le voir, je voulais lui parler. Et je ne savais pas si je pourrais d'ailleurs, parce que bon, c'est pas évident, mais je me dis qu'il n'essaye rien à rien. Alors j'y étais, il m'a dit, non, mais il a un tuyau dans la tête, on m'a dit, parce qu'il était en train d'être soigné, il avait un truc assez grave apparemment. Et il ne reçoit personne. Je ne sais pas s'ils m'auraient reçu d'ailleurs, mais bon, là, ils avaient la bonne excuse. En tout cas, je n'ai pas pu le voir. Je ne sais pas s'ils m'auraient reçu, si c'était une vraie excuse ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, bon, il paraît qu'il ne recevait personne. Donc, je n'ai pas pu le voir. Et puis, j'ai été devant sa maison, il y avait un grand portail. Et puis voilà, on s'est arrêté devant le portail. Et après, on est allé au centre. Ce jour-là, c'était fermé, on ne pouvait pas visiter. Puis, il y a un monsieur à côté du centre qui se visite, qui nous a donné des livres. Il nous en a fait cadeau. C'était un livre qui a été écrit par son fils, et puis un autre livre aussi. Et je me souviens quand j'étais à Paris, parce qu'à Paris, j'ai filmé les messages de Billy Graham, et ils me connaissaient, l'équipe de Billy Graham, parce qu'ils m'avaient vu à Amsterdam, sur l'estrade et tout. Alors, donc ils me connaissaient, donc j'aurais dit, est-ce que je peux filmer un chant et puis le message ? Alors, ils m'ont donné l'autorisation. Donc, c'est-à-dire pendant toute la campagne de Billy Graham à Paris et Bercy en 1986, j'étais avec des membres de l'équipe de Billy Graham. Je voulais lui parler à Billy Graham. J'avais jamais pu lui parler personnellement. Je disais aux gens qui étaient à l'équipe, avec lui, je veux parler avec Billy Graham. Il m'a dit, mais pourquoi ? Il me dit, pourquoi vous voulez lui parler ? Je ne sais pas. Je voulais dire, je ne sais pas. Alors, bien sûr, ils n'ont pas voulu, parce que je n'avais pas une bonne raison. Et j'aurais pu l'interviewer avec ma caméra, parce qu'il y avait Charles Guillot, que vous connaissez, vous, les évangéliques, qui faisait une radio à Monaco, là. Il avait une radio. D'ailleurs, on avait été le voir avec le Quatuor Joie, il nous connaît très bien d'ailleurs. Et il était venu à Toulouse prêcher aussi à la salle du Sénéchal, Charles Guillot. Il était venu à l'Institut Biblique nous voir. Oui, il connaît très bien le Quatuor Joie. Et il m'a vu là, il m'a dit, si tu veux, je t'introduis, tu vas pouvoir interviewer Billy Graham, il me dit. Parce qu'il travaillait à l'époque, il travaillait avec l'équipe de Billy Graham qui avait organisé la... Parce qu'il travaillait pour Billy Graham, pour les émissions de radio, qui diffusaient les messages de Billy Graham. Donc, bon, il était en relation avec l'équipe, avec eux. Il me dit, je peux te faire t'introduire, tu peux interviewer Billy Graham. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que moi, je voulais pas avoir cet alibi pour l'approcher. Je voulais que, simplement, il dise oui, simplement, pour me faire plaisir. Mais ça n'a pas marché. Mais maintenant, vous pourrez me voir dans les cafétérias, dans les pauses cafés, etc. Et je vous êtes dorénavant beaucoup plus avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse. Levons-nous et chantons. J'ai rencontré Johnny Rexontada, la pauvre. Et là, elle a un cancer. Ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Elle a eu un cancer, elle a été opérée. Ça me fait vraiment de la peine. Parce que bon, j'ai eu l'occasion. Elle, je l'ai filmée. Bon, j'ai senti que je ne pouvais pas trop lui parler. J'avais pas envie de l'aborder. Parce que bon, elle était jeune, moi aussi. Ben, elle était mariée. Ça fait celui qui drague la fille. Donc, j'avais pas envie, je ne le sentais pas. Donc, et puis j'ai dit, si j'ai demandé, elle me donnait son témoignage. Alors, j'ai tiré ma caméra, elle a accepté. Bonjour mon ami en français. Bonjour Johnny. Unfortunately, that's about all the French I know, so I hope somebody's translating you well. Our friend here has asked me to share a couple of minutes with you about my testimony.
As you can see, I'm in a wheelchair, and that's a result of a diving accident that happened many years ago, 20 years ago to be exact. And as you can also imagine, I was pretty irritated the first couple of years. I just could not understand, well, how a loving God could allow something like this to happen to me. But then again, you know what I mean, because you probably have asked the same question. You may not be in a wheelchair, but maybe you are frustrated with a difficult marriage, or your children are rebellious, or you are on the verge of real financial strain. We have all sorts of problems each and every day, and my problems are no different than yours. They just maybe a little deeper. Well, for many years I laid in that hospital bed wondering why God allowed this to happen. I twisted his arm for many, many months. But finally I began to crack under the power and the pressure of other people's prayers. I can't explain it, the mystery of prayer. It's just that I knew people were praying. And these same people who prayed would come into the hospital and be so real with me. In other words, they didn't quote grocery list of Bible verses. Instead, they brought in their guitars, they would sit on the edge of my bed, we would sing, we would play favorite record albums, they'd bring in magazines, they'd polish my nails, or just treat me like a real person. And because they did that, they won the right to be heard. And then when they started sharing things from God's Word, it made all the difference. I listened because they had credibility. There was validity to their words. There was real depth. And they had already backed up their faith with actions. So I cracked under the power of their love and their prayers. And then I began to read God's Word with real interest. Not with skepticism so much as I had done in months before, but with honest searching. No longer the searching of a clenched fist saying why, but the searching of an honest heart that said, okay, God, tell me what's next. Well, I've just described for you in a couple of minutes what happened to me nearly 20 years ago. And in those 20 years since, I've learned so much more about the grace of God. I've learned that to accept a disability doesn't mean that you simply resign yourself to your problems. It doesn't mean that you submit yourself to your situation. To accept means to embrace the will of God, because we're told in Romans chapter 12 that God's will for us is good and it's acceptable and it's perfect. And we're told, I believe it's in 1 Peter chapter 4, 9, 19, I'm not certain, that those of us who suffer in the flesh should commit ourselves to our faithful Creator and continue to do good. So if you're suffering today, whether it be with a severe disability like mine or not, commit yourself to your faithful Creator, that's trusting Him, and continue to do good, that's obeying Him. God bless you, and merci. Au revoir, Julie, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Ok. Are you guys finished? Oh, you're asking about it.